Les deux dernières semaines de juillet sont passées extrêmement vite et on n'a pas eu un super temps. La seule belle journée qu'on a eue, on l'a passée dans un parc, le South Park. Il est vraiment très très grand comme parc. Ça fourmille de partout. À Sofia, il y en a une dizaine minimum, des parcs, petits et grands. La bonne occasion de flâner et d'observer les petits écureuils à l'heure du dîner. Et puis, on avait envie avec Christophe de se faire une sortie tous les deux sur Sofia. Enfin, tous les trois, avec Jonah. Ça tombe bien, on a trouvé, un petit peu sur le tard, une Française qui travaille à Sofia et qui proposait ses services de garde d'enfants. C'est Mama Africa. Et le tigre. À en croire les images, ils se sont bien amusés sans nous. Et nous aussi, l'occasion d'arpenter la ville un peu plus vite et de déambuler sans itinéraire précis. On longe de vieux bâtiments imposants et on traverse encore un immense parc qui nous emmène au monument de l'armée soviétique. Alors forcément, on va plus vite que quand il y a les enfants. Et puis, vu qu'on parle moins, bon, voilà, on avance quoi. On n'est pas en train de s'arrêter toutes les deux secondes parce qu'on a vu une feuille ou un caillou de forme bizarre. Ici, c'est la représentation de la population qui accueille l'armée soviétique. Et la grande sculpture, tout là-bas, on distingue un soldat soviétique avec son fusil qui annonce la victoire sur le fascisme. Un ouvrier bulgare et une femme avec son enfant. Le peuple libéré, quoi. On se promène dans le parc qui entoure le monument et on rentre dans des petites ruelles, des immeubles plus pauvres, un quartier plus populaire, des téléphones comme on n'en voit plus. Bon voilà, là je vous montre aussi les quartiers beaucoup plus populaires de Sofia. Il n'y a pas que les bobos monuments, il y a aussi les petites rues où les gens vivent. C'est ça qui est super intéressant. Et on voit qu'il y a des vieux bâtiments, mais ça vit. Voilà, il y a même une vieille école derrière moi, alors hein, celle-là elle n'est pas toute jeunesse. Et on arrive dans une petite impasse cosy, fleurie, animée, où se dressent 4-5 petits restos-bars. On nous avait conseillé celui-ci. Mais pas de bol, il était complet. On se tourne donc vers la pizzeria. Bon, c'est un petit chouïa moins glamour que The Little Things qu'on nous avait conseillé juste derrière. Mais c'est complet. Et on a faim. On va prendre une petite pizza à ma mère mia. Et bonne surprise, excellente pizza, un bon moment à trois. Enfin, un moment où on a le temps de discuter, de prendre son temps, sans être interrompu, même si nous avions Jonah. On repart, on ne sait pas où, mais on y va. Et on tombe sur une jolie église. Et ici, dans les petits parcs, on longe les petites cabanes qui font office de bar. Un petit théâtre ici, et encore un ici. Pas beau le théâtre. Non. Ouais, pas beau le théâtre. Quoi ? Désolée, quand on connaît le théâtre Gralin à Nantes, celui-là, il est pas beau. Non, il est pas beau. Berk. Ça n'a rien à voir, là, c'est un petit théâtre. Berk. Pas beau. J'irai pas du tout. J'y mettrai pas les pieds. Alors la petite anecdote rigolote, c'est que Christophe a oublié sa carte dans une machine de retrait. Ça reste à confirmer encore. Et je suis en train de faire un article sur notre faculté d'adaptation. Quelle adaptation ! 2 ans de voyage et il oublie ses cartes dans les machines de retrait. Fort, hein ? Il est fort le coco. Bon, puis la deuxième anecdote, c'est qu'il pleut. Je sais pas pourquoi, cette soirée, je la sentais pas. Déjà la journée, elle était pas géniale. Mais alors ce soir, à part la pizza qui était bonne et la nounou qui a l'air bien, écoute, il pleut, c'est top. Donc là, on squatte l'intérieur du parc. Je retourne à la voiture garée près de la cathédrale et je demande à Christophe de m'emmener voir le théâtre Ivan Vassov, le célèbre poète et écrivain bulgare. C'est pas ça du tout qu'on voulait vous montrer. Mais on y va. En caméra cachée. Non, je plaisante. Non, caméra bien visible. Hein. Allez, et en courant s'il vous plaît. Ah, il est beau. Ok, lui il claque. Ok. Lui, je rentrerai bien dedans. Ah, wow. C'est splendide.
c'est chiant, hein, je vous montre pas. Hein. Si, si, je vous montre. Mais attends, j'attends d'être devant. Puis je voulais aussi voir l'université Saint-Clément-d'Auray. Magnifique bâtiment, le plus ancien établissement d'enseignement supérieur du pays, construit en 1888. Là-dedans, il y a 16 facultés, une bibliothèque universitaire et même une maison d'édition. Magnifique. Voilà, on se rend tranquillement à l'appart. On n'aura pas tout vu de Sofia. Un mois, c'est suffisant quand on est en vacances, mais pour nous, ça aurait été vraiment trop court. Ça y est, c'est terminé. Adieu, Sofia. On s'en va du logement. J'ai fait un dernier petit tour rapide. Et on s'en va, on est parti. Ah, Bosco. Et bien voilà, donc on est dans le Terra Complexe à côté de Bosco. Sympa, hein? Un beau partenariat pour août qui nous permet d'accéder à la piscine et à des activités plein air. On vous montre tout ça. À très vite. Allez, comme d'habitude, la petite visite guidée dans l'appartement qu'on a réservé pour un mois. Coucou Moulou. Le petit coin cuisine. C'est toi qui nous fais la visite guidée, mon chat? Ici, une première salle de bain. Ouais, avec la salle de bain. Ça, c'est bien. Ici, une chambre. Avec une télé. Un double lit et enfin la deuxième chambre. Ici une deuxième chambre, je pense qu'il sera la nôtre, avec la petite salle de douche. Oups là, privative, voilà, plutôt cool.